Merci. Moi j'ai pas. Attends, tu verrouilles? Hop, Là, j'ai c'est bon. verrouillé. Je vais faire une 5 data aussi. Attends, je vais mettre mon stuff dans le véhicule. Ça, c'est bon. Là, j'ai verrouillé. Non, ça, c'est ok. Bon, une fois. Allez, alors tu es déjà. Oh, t'es sérieux, mon gars? Putain de shop qui s'affiche pas, quoi. Putain, fais chier. Dis pas que c'est le Arcon quand même qui fout la merde, quoi. J'ai Vous rien voulez qui... acheter de la poudre? Bah, ouais. Non, je te trade, hein, t'inquiète. Attends, y'aurait qu'un chemin Voilà. sur quoi? Vas-y, bah Je mets des écoute, jus dans le passager. donne-moi 5 donuts, 5 cafés, 5 Red Bull, quoi. T'en fais chier. Goût du joueur, hein, parce que c'est assez handicapant de pas avoir les menus. Ok, Ouais. d'être facilité, il y a Attends, je crois bien, mais quel attends, je temps mets pas mon devant inventaire qui pour charge. Attends, je vais un regarder. TT, un tempête? Dans le même sens. Non, rien, on voit. On a, ouais, dans l'autre sens aussi, vous avez un tempête qui va arriver avec un SUV qui le suit avec les phares éteints. Non, non, ça c'est ok. Nom de Dieu. Retourne sur des Putain, pédales. ça y est, ça charge, Carlos. 5 donuts, 5 cafés, 5 bandages. Hop, manque plus que les 5 Red Bull, je vais les acheter, c'est bon. Ce soir, ça va être la galère. Là, je viens d'acheter 5 Red Bull, logiquement. Je t'en avais passé 5. Ouais. C'est ça. Ah bah putain de merde. Attends, j'ai mon hyperkit ou pas dans mon sac à dos? Non, même pas. Putain. T'inquiète pas, un jour on va y arriver. Sale weapon, par contre, ça charge. C'est le temps que C'est tout bon. le monde fait la mage, ça. Ah bah, mais et puis avec le putain de week-end gratuit là. Ouais, du coup, ouais. Il y a tous ceux qui veulent jouer sur Cop Gameplay. Hop, 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 Ah, c'est chouette. ça, ouais. Le serveur, il est là, Bien. chouette. Code 123 over. Allez, vous... eh, même la barrière, hein, mes trois plombes à sourire. La barrière gréviste, quoi. Putain, fais chier, tes gendarmes, on doit les laisser sortir. Il se passe quoi avec toutes ces démissions? C'est Non, mais la CGT. Yami, il en avait marre. Et puis Sven, c'est pareil, il a vu que tous ceux qui, avec qui il avait l'habitude de jouer sont partis et qu'il y a des nouveaux. Il n'arrive pas à suivre quoi. Il part chez les amis d'Ovik. C'est qui ça, T'es Yami? sérieux? Ouais, Sven. Oui, Sven, ok. Non, t'es sérieux? Sven, il va chez les amis d'eau? Ouais. Oh putain. C'est la vie. Moi j'ai pas compris la remarque de You. Ah bah là, ça va être Moi non plus. difficile. C'est pour ça Enfin, que si, je lui ai demandé une en gros, il explication. démissionne. Enfin, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que. C'est dans le passage où Yami dit je suis déçu du comportement de certains des collègues qui, malgré le grade, discutent quand même des ordres et ont une attitude non exemplaire. C'est ça, alors on va voir ce Et qu'il il y tire a aussi par là d'autres quoi. personnes qui prennent les choses trop au sérieux et au final, je ne me plains pas au sein de la gendarmerie. Mais je sais pas de qui, Merguez. quoi. Enfin. Oh, je pense que le trop sérieux c'est moi comme d'habitude, mais en même temps, tant que la gendarmerie roule pas, je serais obligé de mettre les points Le sur les i de gros tout le monde sérieux, quoi. c'est toi? Non, je pense pas, non. Et... Non, quand il dit... Moi Bon, j'avais parlé un peu toi c'est avec le lui, mais juste sérieux, je pense. c'est ceux Mais d'en bas, quoi. oui, enfin, je veux dire, il y a des règles Les à avoir, quoi. adjoints, brigadiers, tout ça, il en avait marre. Non, parce que c'est clair, quoi. Tant qu'il y en a où ça roulera pas comme sur des roulettes, je suis désolé, je suis obligé de mettre les points sur les i, quoi. Non, Mais bah, c'est un évidemment, S'il y en c'est un a qui ont rôle du mal à général, hein. comprendre, c'est qu'ils sont pas faits pour la gendarmerie. Hein. Non, Le mais côté c'est... de gendarme sur un vrai serveur RP, ça demande énormément. Ça demande pas comme un civil où tu peux faire n'importe quoi, t'as pas de règles ou un rebelle, hein, même si c'est cadré. Ça sera toujours moins compliqué qu'un jeu un rôle de gendarme. Oula. Enlever ça, ouais. Mais pas de règles après, c'est bordel. C'est ça, on est obligé. Après, il y en a qui se rendent compte qu'ils sont pas faits pour le boulot de gendarme non plus. Parce que ça en demande du temps. Nom de Dieu, ça roule sans phare là-bas? Non, non. Si?
Non. Je sais pas non plus, c'est ça le problème. Parachutiste au champ de pêche. Bon, j'ai récupéré une info de maintien, un type de unité, un 10-11, 10-12, se dirigeant vers le... Ouais, stop, arrête, 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 ils sont arrivés. Une petite écartaison. Terminé. On va les réceptionner. Ok, bien pris Millard. Marlich, tu fais comme tu peux là-bas. Tu gères tes hommes, moi je suis assez débordé sur Kavala. Okay. Hop. Ok, j'ai un parachutiste là. Là, on va avoir du taf ce soir. Hein. Affirmatif, de HMTT cargaison. Oh putain, j'ai oublié de prendre la bière. Antis. Hé hey Carlos! Ah bah ouais, j'ai oublié Magie 4 quoi, putain, quoi dans tous les sens, j'ai oublié ma putain du. Ouais, bah donne, ça m'empêchera pas de tirer sur les gens. Tu peux ouvrir mon sac? Essaye de jeter un oeil, unité meilleure. Par contre, faites attention, il y a forte présence à Midovic suspecté à tirer. Oh, sûr, on se dirige. Ok, merci. Pointeur laser! Putain que c'est la classe. N'oubliez pas qu'on a... J'y vais, Abdou. J'achète tout le genre. Comme ça, ça sauvegarde les deux trucs d'avant. Ah oui. Quand tu fais 5 tata, sinon ça te supprime ton dernier achat. Ok, j'ai un délit de fuite. Un mort oui, sur la plage. La place, pardon, putain. Ok, il y a un cadavre sur la place, bitch. Ouais, voyons voir ce qui se passe. Ah bah, il n'y a plus. On va contrôler tous les véhicules, on va virer ceux qui sont superflus. Si le menu s'affiche en vivant. Il y a un véhicule. Je pense sur la place de Kavala, je sais pas si vous voulez le voir, il court à pied sur la route. Ah, t'en bouge pas là, j'ai un. un véhicule de cheater, motherfucker. Ce véhicule dispose d'aucune information, il est probablement engendré en travers tricheur. Véhicule delecting. Ah, ça met 3 plombes à delete et tout, putain. Salut Megapunk, tu vas bien, ami? Moi ça va, tranquille. Ouais, j'ai entendu, ouais, les clowns qui agressent les gens là, c'est quoi quoi là? Moi qui aime pas les clowns, bah, rien que d'y penser, tiens. Allumez vos feux, monsieur, s'il vous plaît. Putain, il y a une de ces latences ce soir. Merci Bohémien avec leur week-end free to play. On me noter. Abdoul, 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 non, c'est vraiment chiant. Unité 4, on a 3 véhicules de HMTT, un Zamax, un transport aérien qui vont faire du TP en or. Ouais, c'est calme. C'est tranquille. C'est tranquille, bitch. Putain, il est sérieux, c'est son véhicule à lui. Putain, nom de Dieu, je suis en train de le mettre en fourrière. Mais y'a pas de nom, c'est un cheater le mec, c'est quoi son nom? Putain, je peux pas voir. On voit le cannabis. Oh là là, le bordel, toi. Monsieur Nikolai. Nikolai Sanderson et Roach Sanderson, ils sont-ils présents? Non, mise en fourrière du véhicule. C'est qui c'était Nico? C'est le Samu, non? Ah, si vous êtes là? Ouais, ouais, je suis là, je suis là. Je suis là. C'est votre voiture, ça aussi à côté? De mon ami. Ouais, ouais, c'est le véhicule de mon ami, je l'attends là. Ouais, d'accord. Et vous êtes prié d'enlever le mouchoir que vous avez devant la bouche, monsieur? Ouais, ouais. Merci bien, monsieur. Pas de problème. Bonne soirée. Vous de même. Merci. J'ai juste vu un putain de véhicule dans le garage là. Salut Saltori, tu vas bien l'ami? Le convoi a fait demi-tour et repart vers Telos. Bon,
Si on va aller voir, on va pas y aller en marchant en mode général gros feignant. On va y aller en mode normal. On va y aller en mode normal. Oh putain, allez, s'il te plaît. Dépêche, nom de Dieu. Ça se dirige en direction de la tire. Alec Manson, ouais, pas besoin de les appeler, à mon avis, ils sont pas dans les parages. Allez! Putain, 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 putain! Tiens, j'ai oublié quelque chose d'important sur le test, tiens. D'accord, d'accord. Ça apporte pas mal de cuivre, il paraît. Ça va, c'est... Voilà. Georgie, tu veux pas que butch, hein? Tu veux bannir quelqu'un là? Bah oui, j'ai le Aircon doué en plus. Alors sur TeamSpeak, tu me bannes Barbibule pour troll TS, s'il te plaît. Barbibule. Ouais, il est dans le salon d'aide 1. Salon d'aide 1. Ok, Barbibule, je te le kick ou le ban? Tu me le bannes pour 10 minutes, s'il te plaît. 10 minutes, oh, troll dans les canotés, elles sont plus sûres, c'est déjà pris. Non, allez, minute, allez, 10 minutes, ça marche. Merci. Oh, bah voilà, c'est fait. Merci. De rien. Et voilà, un kikineur de moins. Ok, ça marche. Vous bégayez, monsieur. Bégayez un petit peu. Abdul, tu le vois, toi, ce mec? Le convoi est devant nous. Vous allez le croiser, n'était pas tiré. Ratez-vous. Sur votre gauche. Un jour la mise en fourrière se terminera, un jour. Je suis parti me promener sur la plage aujourd'hui et j'ai oublié mon écharpe et je pense que je suis en train. Allez, de... ah, putain. Ah. Faut que mais je me fasse écraser. Non, ça ira, j'ai tout à la maison mais je suis sorti sans aujourd'hui, du coup j'ai dû attraper une petite maladie. Tenez, je la mets par terre. Tu veux descendre de votre véhicule s'il vous plaît? Oh, ça ira. J'en ai une. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Je vois Carlos, Carlos, délit de fuite dans ma tronche, une Audi là. Une Audi de la mort qui tue là. Allez, ouvre-moi ça, conducteur. Allez, c'est parti. Distral Martinez, sur le pas sur le. Ah si, c'est bon. Ouais, juste 23 sur Cavala, monsieur. Putain, nom de Dieu, la BM. L'autre, on cagoule mes couilles. Enfin, même pas c'est une Audi, je crois. Mettez-vous une observation. Elle va où? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, elle est partie la direction le Comico, mais je sais pas où elle est. BM. C'est ça. Et il a une cagoule et puis Attends, t'as la pudeur là. Mon Dieu, il a poil. Ouais, putain, j'ai loupé la sortie. Oh, on va prendre celle-là. C'est ça? Ce serait lui? Abdul, quand je dis ils auront pas d'amende, c'est fou. Ah, ils sont en fuite. Les contrôles et tout. Hein. Vas-y, chope-moi un nom, le vilain. Putain, c'est ça, moi. Le véhicule, il est ouvert en plus. Ouais, le mec s'est barré de sa voiture, quoi. Mais ouais, Soltari, là, on a fait une grosse mise à jour serveur. Alors pour le coup, il y a tout le monde qui télécharge via le launcher et du coup, ça baisse la bande passante du serveur, quoi. Ça va, Wawan, tu vas bien toi aussi? La bande passante, là, on prend un sacré coup, là. Mais bon, il faut laisser le temps. En plus, c'est un week-end gratuit. Il y a tout le monde qui télécharge la mise et tout. La mise à jour, quoi. Vous êtes là, descendez. Ça fait grave chier, quoi. Là, ce week-end, on en prend plein la gueule. Au niveau de serveur, je te dis, il en prend plein la gueule, quoi. Ça ira mieux lundi. Enfin, ça ira mieux mardi. Parce que du coup, comme le week-end gratuit est fini pour Armin, on sera tranquille, quoi. Vous avez laissé le véhicule ouvert, hein, monsieur. C'est pas très malin. Revenez, s'il vous plaît. Bon, on va vérifier ce qu'il y a dans la boîte à gants. On va voir s'il y a quelque chose d'illégal. Venez par ici, monsieur Corleone. Laisse-le manger. Je suis au taser, c'est bon. Bon.
Bah, et vite, hein. Je sais pas ce qui vous prend, monsieur Corleone, mais faudrait venir discuter. Ça a rien de fuir. Bah, dommage pour vous que le véhicule finisse en fourrière. Bon monsieur, vous voulez pas venir hein. Bon, envoyez le véhicule au... direction la fourrière. Vous allez vous retrouver à pied monsieur. Moi je suis modo sur le serveur Saltori. Mais je te dis, Carlos là, depuis le début de la mise à jour quoi. Depuis qu'on a mis la mise, il y a tout le monde qui télécharge quoi. Et pourtant, non, Marco il a baissé la bande passante du. Du launcher, hein, histoire que ça pompe moins, mais ça pompe quand même, quoi. Moi, quand on va dire c'était à 20 ou 35 000 la DL en même temps. Ah, c'est ça, et c'est là, ça, on est quoi? On est 105 sur le serveur, quoi. 105, 100. Ouais. Tu vois, ça. Putain, pff, on est énorme. Et le temps que le serveur est toujours en bêta, on a pas mal de trucs à virer, quoi. Qui foutent un peu. Regarde là-bas derrière. Ah, non. Ça aurait pu être un. Monsieur, bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Ça va, merci. Attends, des fois ça freine pas. Vous faites de beau par ici, vous revenez de la plage? je crois. Là, j'ai rejoint un ami qui avait travaillé au champ. Oh, j'ai fait un petit don il y a pas longtemps là, sur le serveur là. Bah, pas grand chose hein, parce que là, j'ai pas forcément les moyens de faire grand chose, mais là comme j'ai repris le taf, ouais, je recompte faire un petit don bien propre quoi. Un petit don qui va bien quoi. Vous allez vous mouiller les pieds monsieur. Bah ouais, il faut tout ce qu'il faut pour aller dans les champs de pêche. D'accord. On y va pas encore tard. D'accord, bah mangez-en pas trop hein, parce que là je vois que le bidon il commence à sortir hein. Faire attention hein. Ouais, j'ai un métier physique mais pas autant que vous. Ah, faut garder la ligne hein. Qu'est-ce que tu pompes après bon. Une bonne pêche, ça fait pas mal hein. Ouais, bon bah je vais vous laisser bien. Travailler hein monsieur. Passez une bonne journée. S'il y a un souci, vous avez notre numéro. Ça marche. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée à vous, monsieur. Non. Le petit bidon qui dépasse. Ouais, il a un bon bidon. Putain, ouais. C'est ça. Et le petit bidon qui va bien. Il a vu un bon pack de douce. Si ça va. Il se tape des barres tout seul. Ça m'énerve les Isaac, ils sont toujours leur arme à la main et si tu leur dis de la ranger, ils te font non, c'est mon outil de travail. On a du mal à entendre les personnes qui parlent dans le jeu. Ouais, c'est parce que le serveur est passé en vétéran. Ça, c'est une Dodge. Attends, c'est laquelle celle-là? Attends, c'est la Ford. Attends, il faut que je récupère le nom. Je vois plus rien.
C'est la Ford Interceptor. Ah bah peut-être, je sais pas, à moins que tu montes le son, hein, mais normalement les gens en jeu, j'ai mis le son à fond, donc c'est parce qu'avec le passage en V-temps, je crois qu'il y a des trucs qui ont baissé là, hein, il faut qu'on règle ça aussi. On va faire un petit tour au champ de pêche qui va bien. Yes, on va le retrouver comme ça. Putain, le passage au jour comme ça. Oh là, le lapin. Ouais, Abdoul, il a la chance. Je fais un peu le mec sévère et tout parce qu'il m'énerve et que je fais moi. Ouais, moi je suis plus pépère. Si tu vois, c'est pas des mauvais bougres quoi. Tu vois, des mecs ouais, chinois, ouais, etc. Non, ils jouent leur truc. Mais moi j'aime bien faire gueuler mon gars. Et à donc, ouais, c'est vrai que si tu connais pas, si t'es pas habitué, ça fait un peu bizarre. Ouais, mais là, ils commencent à m'énerver ces gars-là. Je les contrôle. Hier, j'ai pas arrêté de les contrôler. Ils sont fait ban d'ailleurs hier par Antonio. Enfin, ils sont fait kick. Vous avez une idée de la route Ouais, moi je les ai Ouais, j'ai dû les. Comment dire, les contrôler deux ou trois fois avec Rogan et. Ça se passe bien, à chaque fois ils sont pas... Ah non, moi hier c'est mal passé. Mal passé? Avec qui? Avec Lisa? Non, avec Justin Game et Distral Martinez. Les petits Québécois. Ah ouais, deux Québécois de 8 ans qui cassent un peu les coups. Ah, Zambac reparti. Moi je t'ai dit... Et résultat, je suis pas super, c'est que t'es un peu énervé et tout ça, et résultat, je sais pas qu'Abdoul se dit derrière, il y a Ray qui est relou et tout ça. Non, mais t'as vu, tu veux faire ton merde, je vois rien. Après, voilà, moi je parle, c'est plus ma façon de fonctionner, tu vois. Si tu parles agressif, de manière agressive aux gens, ils vont te répondre de manière agressive aussi, donc ça part vite en sucette. C'est qui a mis ça? Les blocs en béton? C'est Nico? Oui, c'est Nico. Qui l'a fait au reboot ou? C'était un peu trop serré, ce truc. Non, mais il l'a fait quoi, au reboot ou pas? Ouais, après le reboot, il s'est amusé. Ah, ok, d'accord, bah nickel. C'est nickel, ouais. Parce que nous, si on doit partir rapidement, pas. Bah non, bah de toute façon, le mec il pourra pas partir rapidement non plus. Le mec, s'il doit passer par là, il est obligé d'en retirer quoi, toi aussi. Donc, par exemple, tout à l'heure, on nous a dit oui, il est à la station service, donc il y a après. Et nous, bah on était à 50 dans cet endroit. Ouais, mais c'est pas grave ça, justement. Je préfère qu'il y ait ça que les mecs qui se fassent carkill toutes les deux secondes. Merde, attends, regarde. De la Mac à 300 mètres de retard. Nope. J'ai pas fait gaffe à... en lançant 4K. J'ai pas fait gaffe. Faudrait que je regarde à la fin du stream. Bisous sur les. Y'a Ray qui s'arrête ou quoi? De quoi, y'a quoi? Y'a un véhicule là avec vous là? Ouais, on a ouais, pas. Non, c'est moi qui s'arrête. Qui avait un petit peu trop tendance à zigzaguer au milieu de la route. Moi, on arrive en soutien, on arrive, on en est juste à côté en plus. C'est de la faute à Carlos ça. Ah bah ouais. Il a plus de il a vu gendarmerie mais là c'est pas. Ah c'est ça. Paul. bah oui. J'ai défini son phare. Ça s'agrappe un peu. Le Zamac va vers vous Marley. Monsieur, j'ai demandé de souffler dans le ballon. Je vous demandais de souffler dans le ballon parce que ça va t'y va pas. Oh bah tiens, c'est quoi ça? Ah il est au téléphone. Ah putain! Pourquoi tu. Ah, en première personne, j'ai un peu de mal, Wawan, dans les véhicules. J'apprécie pas des matchs, je suis désolé, mais j'apprécie pas. Bah, évidemment que ça, Alex. Putain de tourne de Dieu, j'ai. Coucou, c'est vol d'éviction. Oh putain, what the fuck, j'arrive pas à te comprendre. Bon bref. Pas grand monde. Là. Ouh là, quand tu dis là, ça me dit pas grand chose, Carlos. Mine, ouais. Il y a un véhicule là-bas, tu vois. Bien sûr, je vois. La mine à côté deuxième, de la deuxième véhicule interrapé. Ah ouais, la mine de véhicule dans la descente. Ouais.
Au prochain Pachasse, on ira le voir. SMPT. Ah. Salut Sky Killer, tu vas bien lui? Enlève les fractures. Bah ça va, bah ça fait un moment, ouais. Il y a un moment j'étais un peu lassé des lives, et puis lassé aussi d'Arma un peu, j'avais besoin d'arrêter un peu. Ok, parfait. Et pour le coup, la semaine dernière j'ai fait mon live de reprise quoi, dimanche pareil. Déjà je vais essayer d'en faire tous les dimanches, je vais pas en faire autant qu'avant, parce que j'ai moins le temps en tant que général et puis modo sur le serveur avec le staff, j'ai moins de temps pour le faire. Mais j'aimerais bien en mettre deux en place deux par semaine quoi, même si c'était que vendredi soir ou samedi dimanche. Dimanche c'est sûr, il y en aura un le dimanche soir. Mais après l'autre je sais pas, peut-être un mercredi ou je sais pas. Je verrai ça, mettre ça en place tranquillou quoi. Traduction de Alex ferme. Merde, nom de Dieu, il faut que je m'arrête parce que le temps de vous capter. Ah. LOL. Qui a fait LOL? LOL. Faites attention à la herse. Bon allez Carlos, on va prier. Sur la route où y a le point R. Non mais je regarde parce que des fois il y a des mecs qui lâchent les véhicules ici. En même temps t'as un beau point de vue sur le comic quoi. Je crois qu'il est un peu bugué quand je lui ai dit que c'était important l'hygiène dentaire. Ouais, il a pas compris le, le rapport avec... Un beau lever de soleil, Carlos, t'as vu ça? Ouais, ouais. Là, il m'a emmené au bord de mer. C'est ça. Pique-nique ici. Putain, hein, ça manque là, les petits pique-niques. Y'a un mec, on le contrôle, et on lui dit oui, allez vous reposer. Et moi, je lui dis, faut consulter un médecin. On peut faire Titanic aussi. Puis il est con. Le mec comprenait pas du tout ce qu'on voulait lui dire, quoi. Oh putain, ouais. Bon, allez, hein. Non, pas trop. On nous attend avant de partir pour le QG, on va faire un convent, ce coup. Ah oui, ok. C'est chiant de pas voir les gens. Merci Floflo du 17 et Skill Means. Ouais. Si j'ai gorché ton nom. Merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne, les vilains. Qu'est-ce que tu fais, Carlos? C'est quoi à droite là? Il y avait une échelle en fait. D'accord. Et je suis monté dessus et après ça m'a pris. Il fait de l'escalade. Oula, oui, il y a un braquage à la mine de cuivre. Ah ouais? Ouais. Non, je pense. Bah écoute, on non, y va, écoute, on va. Les copains. Ouais, bon, on va quand même jeter un coup d'œil, écoute. Hein. Bonjour messieurs. On va ranger vos armes, messieurs. Ah, il l'aime bien cette sonnerie. Aïe. Bon, on a dû fouiller le premier véhicule parce qu'a priori la personne n'a pas les clés. On ramène le tout au QG aérien. On met le premier véhicule en fouilleur. Putain, quand tu vas trop vite, un peu plus dur à gérer les véhicules quand même. T'as rien vu, Carlos. Tu prends la tête du convoi. Ah bon. D'accord, merci de l'information, monsieur. D'accord, donc vous braquez quelqu'un parce que c'est... Vous braquez quelqu'un et c'est votre ami. On l'a pas braqué, monsieur. Si je suis comme ça, monsieur, je fais quoi sur vous? Mais il nous donnait nos armes. Demandez-lui. Monsieur. Donc il vous donne une arme comme ça avec le véhicule. Là. Bah oui. D'accord. Alors, skill, c'est pas la police mais la gendarmerie. Aspirant. Voilà, monsieur. Vous pouvez vous relever. C'est pas la police mais la gendarmerie. Si on peut éviter de passer par un. Et puis ouais, c'est minimum 18 ans. Mais là sur les recrutements, je vais être strict. Par le lieutenant général. Diamantaire, il y a un peu discuté avec ces personnes. Il n'y avait pas de problème particulier. J'ai envie d'avoir des amis. Ça va, monsieur, d'accord.
Il y a du feu nourri dans Akira. On peut savoir pourquoi il y a autant de policiers et être tout au même endroit. Et alors ça vous pose un problème, monsieur? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Bah non, ils sont gentils, les policiers. La gendarmerie. Non, on venait simplement faire notre petit business. On venait simplement faire notre petit business de cuivre. On venait d'arriver, on n'a pas encore réussi à quelque chose. Alors allez-y. Allez faire votre travail, monsieur. On vous retient pas. D'accord, mais pourquoi il y en a pas? Parce que vous êtes tous venus ici nous contrôler. On peut savoir pourquoi? On a besoin de se justifier. Ah bon, parce que maintenant la gendarmerie est obligée de se justifier pour un contrôle. Eh bah nous on vous répond, on n'a pas besoin de se justifier. Non messieurs, de vous à moi, on vous avait vu avec des armes. Pourquoi il y a des armes? Il part, il nous laisse tout seul. Ah le guac. Ah le guac qu'ils ont, mon gars. On se casse. Ouais, on se casse, vas-y Carlos, monte dans la tuer là. Son pote, il vient de se faire baiser. Et tant mieux, il nous retourne à la patrouille. Carlos, je suis Benjamin, je souhaite vous rencontrer pour parler. Je viendrai seul si vous voulez. Ah ouais? C'est bizarre quand même. Bah écoute, s'il veut qu'on discute, on ira discuter. Mais... Tu sais qu'en appuyant sur toggle sirène, pote Black, t'auras la deuxième sirène du véhicule. Ouais, mais c'est pas moi qui m'en dis. Bon bah alors Abdou. Pareil, au moins vous serez informé. Et pour enlever les gyrophares, vous appuyez sur code 1. Hein. Ouais, là, avec la latence, ça reviendra, mais... Mais ça, j'ai passé 10 minutes à être sur le... à essayer tous les boutons. Là, non, mais c'est qu'avec la latence qu'on a là, en ce moment, là, c'est normal, là, ça met un petit peu de temps. Puis il y a des boucles, les gyrophares, ils sont sur des boucles. Donc une fois que tu lui dis stop, il finit sa boucle avant de vraiment... C'est ça. Bon, on l'a perdu. Perdu? Ah, bravo. Ah bah bravo. Oh, un véhicule qui arrive comme une balle là. T'as le radar? Non, j'avais pas le radar, bah ils vont l'avoir là carrément. Mais mets le radar on, si tu vois. Mais surtout pour me casser la gueule. Merde, ouais, pas bête, putain je pense pas mettre le radar on. Et comme ça en plus ça t'affiche que la top speed. Ouais, mais je crois qu'il y a des problèmes. Je crois que la dernière fois on était à 50 derrière un véhicule qui était à 50, il nous l'affichait à 140, je crois. Alors, tu vois, c'est... je crois qu'il y a des petits problèmes, mais juste des petits problèmes. Putain, merci à Orax pour le follow, bienvenue sur la chaîne 2001. Pas grave. Ah, le taverne. Ouais, il y a 2-3 Québécois, je crois, que sur le serveur. Ils sont marrants, mais ils sont un peu jeunes, quoi, c'est ça le problème. Ils sont un peu jeunes. Bon, vous m'excusez, je cherchais du coca, sinon je vais me tirer une balle. Tu vas te tirer une balle? Bah. Oh, bah, il y en a un qui a planté son quoi. Oh, t'es sérieux. Abdoul est la ruse. On prend la route du dessus. On va aller faire un tour à la place. Ah, bah, il y a des véhicules sans doute à mettre en fourrière. Hein. C'est lampadaire au champ de pêche aussi. Ouais, il fonctionne. Oh merde, un peu plus, je riais mature. Ah, unité 3, on part des cons, vous voulez retrouver. Général, bah, il a braqué un peu tard, le général. Il a revendu les CNU. Cet individu, je crois, a un petit problème de quad. Enfin, je crois. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est votre véhicule? Oui, c'est mon véhicule. Hein. Ah, je crois que c'est foutu là. Hein. Mise en fourrière du véhicule. Ah, je veux bien, s'il vous plaît. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Allez-y, lieutenant. Si vous voulez tenter quelque chose, monsieur, j'ai une petite force surnaturelle. Montez dessus, vous allez voir. Faites pas tout péter, lieutenant. Chef. Voilà, monsieur. Une fois que le lieutenant il fait pas tout péter. Oui, je l'ai mal contrôlé.
peux encore ajouter. Oh, Benjamin Vass. Merde. Benjamin Vass est-il présent? Ouais. Négatif. Les enfants du véhicule. Allez pas les abîmer. Putain non. De quoi? Bobby Clash, est-ce que c'est Bobby Briflox? Bah non. Je crois pas. Non, c'est Bobby. Tout à l'heure je l'ai vu, il était à côté d'Ashgal, donc je me suis dit tiens, il joue ensemble. Bah il joue en modo, donc je vois pas pourquoi. Oh, c'est bizarre. Bah non, c'est toujours Briflox là ou. Ok. Quelque chose comme ça là. Hein. Enfin logiquement. Bonjour, bonjour. Enfin, aux dernières nouvelles, quoi, tu vois bien. Ah, monsieur. Putain, on va y passer la nuit là avec les mises en foyer. Ah, merci. La police est là. Oh, oh. Ouais, monsieur, on est là. Oh, ah bah. Belle partie. Crash. Hmm, ouais, 341 000 de drogue trouvée dans un véhicule. Vous allez bien? On est pas très bien, hein. Revenez par ici, monsieur. J'ai rien fait. C'est pas moi. Attendez, on va discuter. Revenez. Pas grave, on a sa voiture. Il est un peu fou. Bon, ça y est, putain, enfin, mis en fourrière quoi. Ouais, il est un peu fou. En fait, il a une double personnalité. Il a le permis, j'espère. Bah, oui, il a le permis, mais. Quand il a pas ses médicaments et il est fou, il fait n'importe quoi. Ah, oui, mais ça peut être dangereux quand même. J'espère que c'est vous qui conduisez, hein. Parce que sinon. Oui, mais c'est que là, il a tué. J'ai interdit au garagiste de lui donner sa voiture, mais je pense qu'il a dû lui payer pour qu'il sorte la caisse. Ah là là, je savais bien que ce garagiste était corrompu, mais... Ouais, voilà. Le garagiste de Kavala, faut lui mettre une amende, hein, parce que là... Je vais aller le voir, je vais aller discuter, là. Je vais lui en toucher deux. Ah ouais. Bon, monsieur, vous réparez votre véhicule ou on le met en fourrière? Ouais, je vais le réparer. Très bien, monsieur. D'accord. Bon bah vous dites à votre ami hein, de bien prendre les cachets hein. Ouais. Sinon il va devoir je les ai dans mon sac, faut que je lui donne. Du coup les cachets. Salut les potes, blagues. Il est parti caché. Ah bah nom de Dieu. Ah bah si merde, y'a un mec là-dedans. On va le laisser. Ah le voilà. Monsieur, bonjour. Écartez-vous de moi. Venez. Ne vous inquiétez pas, on va juste discuter. Venez me serrer la main. Monsieur, ne tasez pas, monsieur, il a un petit flipper. Non, vous inquiétez pas, je voulais juste lui serrer la main. Il a un truc au cœur, au truc électrique. Un pacemaker. Si vous tirez dessus, il est condamné. Non. Voilà, un pacemaker, voilà. Je n'ai plus mes mots. C'est pas grave, un petit coup de taser, ils font du bien les nôtres. Ils donnent une petite décharge qui va bien et le cœur y repart. Si vous voulez donner une décharge, ouais, on a un taser classique, qui fait plus grâce chez les gens et tout. Nom de Dieu, un médecin. Nom de Dieu, des gendarmes. Nom de Dieu, nom de Dieu, mais quel homme pressé. Ah, vous oubliez votre ami, monsieur. On va t'amener des médicaments, s'il te plaît, hein, en rentrant à la maison. Monsieur, attention. L'individu est dangereux, hein. Oui, je pense, oui. Nicolas. Ah bah bravo, le mur. Arrêtez. Ah bah bravo. Monsieur, arrêtez-vous. Nicolas, viens prendre tes médocs. Reviens ici, Nicolas. Je crois qu'il vous a oublié. Ah bah je vais aller le courser hein, je vais l'engueuler. Ah bah allez-y, raisonnez votre ami hein. Parce que je crois qu'il s'est arrêté là-bas, je crois qu'il s'est foutu dans le fossé. Je crois qu'il va pas très bien non plus. Xbox, bah oui, tu vas bien Xbox PVP. J'ai repris les lives la semaine dernière, mais tranquille ou posé quoi. En mode un ou deux lives par semaine et puis voilà quoi. On est bien posé quoi. Ça va docteur? Bon. Ah ouais, vous? Ah merci. Ça va ici? Le barrage du camion. Pas trop de boulot aujourd'hui, c'est calme. Oui, c'est pas vraiment un barrage. Non, pas mal, mais là, ça... Oui, enfin, un ralentisseur, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est pour éviter qu'il...
qui roule sur tout le monde, quoi. Justement, je viens de recevoir une request, je vais devoir y aller. Ça marche. Encore les gens qui m'appellent là. Encore, bah on vous adore les. On adore les médics, nous. Donc j'ai aérien, donc voilà. Ah voilà. Désolé, j'étais un peu AFK, j'étais en train de regarder la vidéo en même temps de. Que. Mon dieu. Django a fait sur. Mis sur la commande. Il a remodé un hélicoptère. Tout ça, Xbox PVP. Là, je suis de Kavala, là. Je me suis mis à Kavala. Mais il est solide. Il y a pas mal de monde ce soir et du coup. Je préfère que ce soit les autres gars qui soient dehors, quoi. Je préfère que ce soit mes gars qui soient dehors. Reste là, Nicolas. Nom de Dieu, il y a des cas là. Oh là là, mais il y a des cas, je te jure. Non, reviens là, j'ai dit. Dommage qu'on ait pas de docteur attitré. Ne le tasez pas, il a un pacemaker. Bah on a dit à un moment la va être vidée hein. Reste là. Oui. Oui, on s'amuse. OK, on va bien Carlos, on va les laisser courir. Faire, si bah là les trolls ils y sont pas mal là, en ce moment là avec le week-end gratuit d'Arma là. Avec le week-end gratuit comme je disais d'Arma, y a pas mal de trolls qui viennent quoi. Parce que du coup tu sais tous les jeunes qui peuvent pas. Oh. Ah. Kill. Au meurtre policier. Ah non, bah nom de Dieu, faut pas essayer de plaquer la voiture, ça marche pas bien monsieur. Je vais appeler un médecin, j'appelle un médecin, tiens bon. Ouais, y'en a pas qu'une là. Ouais. Nom de Dieu, plaquer les voitures, c'est jamais rien de bon. Wow, je pensais pas que t'allais avancer. J'ai pris non, fou, monsieur, c'est que y'a plus de batterie là dans ton pacemaker là. Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Moi, on se fait klaxonner, je t'assure que c'est incroyable. Nom de Dieu! Monsieur, rangez votre arme s'il vous plaît. Je lui apprendrai à pas faire de. Lieutenant, on a un petit problème en face de nous, lieutenant. Il y a la police! Il y a un individu étrange. Et plus la police! Oh, laisse Yarick, je vais le faire. Vous envoyez des messages, monsieur. Non, c'est bon, c'est bien reçu. On vous attendait. En fait, j'ouvre la carte maintenant, je vais plus chier. Oui. Bon allez-y, prenez ma voiture Carlos, discutez tranquillou, je vais rester dehors. Allez, je vais passer mon véhicule quand même. Vous... Allez, affirmatif, c'est votre véhicule. Ok, je vous attends. Nom de Dieu. Salut Razak. Ah ouais, mais l'action, tu sais bien, Xbox ou PVP, c'est assez aléatoire. C'est assez aléatoire. C'est comme d'hab quoi, Altis, soit t'as tout le temps de l'action, soit t'as des gros points morts. C'est le Samu l'hélico. Affirmatif, ouais, c'est le Samu. Comment allez-vous ? Et pour le coup, c'est mon FAMAS. Ouais. Mais du coup, on va changer d'arme dans la gendarmerie. On va supprimer le mode, le pack d'armes M3F. On va faire de la place sur le launcher et tout. Donc du coup on va prendre d'autres armes, on aura d'autres armes bien sympatoches aussi quoi. Tiens bon mon pote. Non monsieur, monsieur faites extrêmement attention à la réanimation, parce qu'il a un pacemaker. Cet individu a essayé de plaquer ma voiture, mais ça a pas bien marché en fait, c'est lui qui s'est fait plaquer par la voiture. Ouais, il voulait faire un homme facile. Il a fait un facepalm sur la voiture, il a remonte un peu. C'est ça, un facepalm sur la voiture et puis bah voilà. Transfo de pierre hein. À la gauche. Ah monsieur. Ah, tu vas jusqu'à la transformation de pierre. On a déjà fait trois fois le tour de centre-ville de la place de Kavala, on a fait la ligne de cuivre. Ça s'est vachement calmé hein, là d'un coup. Bah peut-être qu'on leur parce qu'on leur a dit de quitter Kavala d'aller un petit peu ailleurs. Monsieur meurtrier, la police. Vous êtes meurtrier. Ah bah bien sûr monsieur. Ça y est, ça vous a calmé?
Partez, partez d'ici, bande de meurtriers. Je partirai pas, monsieur. Il est encore allongé. Après au virage. Non, non, c'est bon, c'est bon. Doc, il est debout. Non, non. Il va mater ma voiture. Ouais, c'est toi le fou, là. Non, tu rentres la voiture. Je vais devoir y aller, ouais, j'ai encore une. Ça marche, merci les médics. Au revoir, monsieur. Vous croyez faire quoi, monsieur, avec ma voiture là? Putain, il y a plein de candidatures que t'as refusé aujourd'hui. Bah, je critique pas le choix, mais c'est. Il est fou, je vous ai dit. Bah, donnez-lui les médocs parce que. Il y a des gens. Attendez. Vous permettez? Je permets que l'hélico décolle. Attendez, j'entends rien. Viens là, toi. Ah ouais, putain, ok, effectivement. Si, Yuf, merci pour le follow, l'ami. Bienvenue sur la chaîne, le vilain. Viens là, je t'ai dit. Désolé. Tu vas claquer, bâtard. Encore? T'es mort? Ah non, t'es pas mort. Viens là. Putain, si je vais t'assommer, tu vas pouvoir te manger tes médailles. Oh non, dégage! Mon dieu, mais c'est un aîné. Oh là 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 là, les énergumènes quoi. Ça y est, vous calmez un peu, monsieur. Donnez-moi votre pistolet, vous avez pas mal. Parce qu'ils ont. Pourquoi des soi-disant gambinous? Monsieur, faites attention, je crois que votre copain va vous assommer. Idée de tirer. Reste là. Pourquoi il pleut? Reste là, je vais t'assommer. Georgie. Tu vas prendre tes médicaments. Quoi? Hein? Pourquoi t'as foutu la pluie? Le quoi? Bah, c'est pas toi qui a foutu la pluie. Mais j'ai rien fait du tout moi. Bah il pleut, chez nous il pleut. Bah oui, mais la pluie est sur le serveur maintenant. De temps en temps il pleut sur le serveur. Mais pas partout. Bah non, Dodie, il part où avec ma voiture? Je me mets là parce que j'entends pas en fait. Ah oui. Ah bah oui, mais l'individu il aussi il arrête pas de crier. Non, c'est bon. Non, manger et boire c'est bon, pour le moment j'ai pas besoin, Wawan. C'est ça, par contre ce qui se passe sur le live, ce que vous voyez en jeu reste sur le live les mecs hein. Et je veux pas qu'il y en ait qui aillent cracher quoi que ce soit. Bah je sais que les mecs l'utiliseront à bon escient, mais c'est pour ça que je monte pas dans la voiture pour les informations et que j'aurai les informations hors live quoi. Regarde moi ça, comment tu vas avoir une caisse pourrie aussi, c'est pareil. Je me suis fait voler mon vie. Salut monsieur, vous êtes calmé? Non. Non? Vous voulez que je vous calme moi monsieur? Je ne vois pas où il a envoyé le message. Monsieur, vous avez un problème de côte. Ah bon, vous êtes comme ça, monsieur. Ah, si, dans Cavala. Affirmatif, monsieur. J'ai perdu une... Il me demande ce que c'est comme véhicule. Ah bah, c'est embêtant. Ah bah, non. Mais faites gauche-droite, ça devrait aller. Attendez, je vais essayer de me décaler. Et là, comme ça, c'est mieux, là. Bah là, vous êtes de l'autre côté. Ah bon? Ah, si j'ai déplacé une côte, alors. C'est ça. Pas des côtelettes. Non, j'en ai pas, désolé, monsieur. Bon, par contre, vous arrêtez de chanter, monsieur, il va pleuvoir, à force, hein. J'en ai rien à foutre de tous ces PD qui parlent, rien à foutre de tous ces Hanzi qui jettent. Ça y est, vous êtes calmé, monsieur? Ah mes fesses, j'ai un cancer des fesses. Eh, profitez-en pour lui donner sa petite picousse qui va bien là. Non, 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 allez, avance. Non, dégage. Ah non de Dieu. Non, non, mais la retrape pas, je t'ai dit que tu vas la bouffer. Ça ouais, t'as cru que t'allais me la mettre par le cul aussi? Bah ouais, enfin, si tu veux, ça te suppose. Mais viens là, je vais te tuer. Bonjour monsieur. Ah bah rebonjour. Ah, il y en a des gens bien excités, hein. On a un peu trop. C'est vos quads qui sont là-bas? Ben voilà, je t'ai assommé, mon gars. Bon, tu as ah non, pas le suppo, pas le suppo. Si, le suppo. On va y aller en courant un peu pour cela. Attendre que Carlos finisse avec un. Ouais, pour le coup, il y a Carlos qui blablabla. Tiens, il y a le petit bidou de monsieur. Ah, il a senti le petit pot, hein, mon gars. T'inquiète, ça va faire mal pendant quelques minutes. Merde. Putain. Ouais,
Putain, ça met du temps. Monsieur, c'est votre quad, le rouge, là? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous conseiller d'aller vous stationner là-bas avec les autres véhicules, monsieur. Ici, c'est pas une zone de stationnement. D'accord. Je vous remercie de votre compréhension, monsieur. Faut être poli et courtois. Toujours. Toujours. Nom d'adieu. J'aime bien. Il y a des gens parmi vous qui ont entendu parler du film Le Pouvoir. Nope. Un film qui est censé avoir pris en vidéo des entretiens, des réunions ministres de François Hollande. Très sorti en 2013. Nope. Impossible de trouver des extraits sur internet. Ash Williams. Impossible de trouver. Monsieur Ash Williams. Que ce soit et. Je me dis que ça peut être pas présent, mise en fin du véhicule. Ça peut être vachement chiant aussi. Mais ça, j'ai pas envie de l'acheter. Bah monsieur, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, vous avez un problème de côte vous aussi monsieur? Vous êtes comme ça? Monsieur? Ah, c'est mieux. Monsieur? Oui. Monsieur, vous êtes tellement moche que vous me faites encore plus peur que le film Annabelle. Ah! Merci monsieur. C'est ça, Flo Flo, il y a un petit schizophrène. La pêche est plus grand que vous, hein. Non, non, pas ah, fort possible, monsieur. C'est quoi, je suppose? Regardez comment vous êtes galbé là. Un film, là, monsieur, mon conseiller. Non, mais regardez Nicolas, vos muscles, Nicolas, monsieur. Quel genre de film Nicolas, il reste là encore, putain. Ah, regardez vos muscles. Bah, ils vont bien, mes muscles, monsieur. Moi, je cherche des bons films. J'ai pas de style particulier, quoi. Aussi bien documentaire que action, que. De j'ai beaucoup aimé un film documentaire sur le procès des. Pas bah, du personnage, hein. Comme le confinement Lieu 13. C'est large. Vous n'arrivez pas à. C'est quoi la touche? Quelle touche, monsieur? Vous parlez comment là? Vous avez des problèmes dans votre tête? Non, mais monsieur, en fait, hors RP. Hors quoi, monsieur? Non, mais ça, je comprends pas ce genre de langage, monsieur. Par contre, vu que c'est un sketch, vous pouvez me donner votre FAMAS, votre gilet pare-balles. Monsieur, il est toujours au-dessus. Bien sûr. Vous avez de l'espoir, monsieur. Oh, mais putain, mais j'y pense. Vous et en fait, il faut que vous donnez 500 000 chacun. Vous allez kiffer, ça, là. Bah, bien sûr. Vous allez kiffer, je reviens d'ici 10 minutes, restez là. Oui, ok, très bien, monsieur, on reste là. Salut, Xefio, tu vas bien, l'ami? Bien posé dans la tête à paye, easy money. La Tito dit qu'il va bien, la Tito dit des familles. Putain, merde, ça pique. Ah, il commence à pleuvoir, nom de Dieu! Non, pas la pluie! Il y a de la pluie, mais il y a grand bleu dans le ciel. Chut, c'est pas grave. Ah, oh, fais chier, je vais être tout mouillé. Je me mets à l'abri. Ah bah, chouette, la pluie qui est là, quoi. C'est ta faute, c'est qui a chanté? À part l'individu schizophrène du champ de pêche. C'est toi, pote Blake? Non. De comment? C'est Camille, mon ticket dans le fourrière. C'est toi qui chante? Là, tout de suite, non. Sur la place de Cavala, en train de mettre en foyer un. Il pleut sur Cavala? Bah oui. Ouais, parce que là, il pleut, là, au champ de pêcheur. Hein. Parce qu'il y a, des gros nuages qui arrivent, mais au-dessus de moi, il y a un grand soleil. Allez, ma caisse. Je l'avais mis en fourrière. Bah, bien. J'ai rien fait du tout, moi, monsieur. Mais j'ai plus ma voiture. Vous êtes sûr que c'est pas votre ami qui est parti avec? Non, il a pas les clés. Ah, je peux pas vous aider alors. Moi en tout cas, j'ai pas touché à votre voiture, monsieur. Salut Ghosty, tu vas bien, ami? Ah, moi ça va tranquille. Je vais déprimer sous la pluie. Mais non, bah mettez-vous l'abri sous le pré, vous serez au sec. Pas de voiture.
Yatsuka. C'est l'individu fou qui a changé. Ah ouais, c'est ça, ouais, non. Putain, je te jure, il arrête pas. Ah, que quoi que la puce calme, là, j'ai l'impression. Mais vous pouvez pas me ramener à la place? Pour l'instant, ça va pas être possible, monsieur. Putain, nom qui de Dieu. Vous pouvez me ramener à la place, s'il vous plaît. Il est déprimé. Qui a besoin d'être ramené ici? Allez, putain, dépêche-toi. Trois plombes, la mise en fourrière, quoi. Me ramener, s'il vous plaît. Comment je suis? Vas-y, ramène-moi à la place. S'il te plaît, tu le garage. Putain, allez là. Putain, c'est merci. Là. Au revoir, monsieur le policier. Je suis resté trop longtemps sous là. Au revoir, monsieur. Sur les corps, hein. Georgie, t'es là? Non. J'ai un mec en fait qui s'est connecté et en fait qui ne voit pas les ATM. Donc il a essayé de faire une déco reco et il les a toujours pas malheureusement. Ouais, mais il est allé voir le docteur Luncher. Parce qu'il y a eu une mise à jour et justement c'est ça qui fait pas mal laguer le serveur quand il y a une latence. Il y a tout le monde qui la télécharge. Mais pour le coup, sinon il faut qu'il attende, qu'il se mette dans une pièce, une maison où il n'y a pas beaucoup de trucs d'affichés. Et qu'il attende que ça s'affiche, c'est le seul moyen de le faire. Salut Georges, ça fait longtemps, dis donc. Ouais, salut Flo Cuisto, putain. Non, je gère pas toutes les bagnoles, j'enverrai une partie qui ne sert à rien car il n'y a plus de pilote et je reste à l'abri parce qu'il pleut. Une petite question, je viens d'arriver sur le serveur et je trouve personne pour jouer. J'ai vu qu'il était difficile de rejoindre une famille. As-tu un conseil à donner? Pardon, monsieur? Venez vous dire bonjour, monsieur le général. Ah bah bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Ah très bien, vos nouveaux véhicules vous plaisent, fonction? Ah bah évidemment qu'ils me plaisent. Ah, en tout cas, vous avez le bonjour de l'ancien adjudant PAF. Lieutenant PAF, ah oui. Lieutenant, oui, pardon. Vous avez le bonjour de lui, donc. Ok, ça marche. Bah, je le remercie. Voilà, bonne journée, monsieur. À vous de même. En tout cas, je souhaite le nouveau ralentissement. Bye. Ça évite de se faire écraser. C'est ça. Et beaucoup mieux que le Dodan, d'ailleurs. Effectivement. Alors au niveau des familles, familles rebelles, bah il faut déjà que t'aies minimum 16 ans, mais maintenant ils recherchent généralement une grosse maturité. Mais après, pour l'instant, vaut mieux que t'apprennes à jouer sur le serveur, quoi. T'apprennes à, bah c'est chiant, je sais, mais à faire des pêches, des conneries comme ça, à essayer de te trouver des poteaux et puis à te mettre à jouer, quoi. Parce que, là, y a pas. Je peux pas t'aider. Oh là là, il est encore là. Lui. Putain, et j'attends que Carlos y finisse son. Putain, je vais mouiller mon béret. Nom de Dieu, Carlos, t'as bientôt fini, ça mouille dehors. C'est quoi qui te fait rien? Non, rien. Non, c'est le mec et tout qui bloquait le passage. Et tu vois, je le klaxonne, il s'est tapé trois fois la barrière, quoi. Un peu stressé l'individu. Oh, je parie que c'est le schizophrène encore. Ah, bah ben, oui, à tout du coup, c'est lui. Ah, non, monsieur, fais pas la course. Faites gaffe, je crois qu'il y a une voiture bleue qui veut faire des bêtises. C'est un petit schizophrène qui prend pas ses médicaments et qui veut faire la course. Résultat, il fait des dérapages. Je le suis parce que je le sens un petit peu louche.
On va suivre discrètement ça. Bah monsieur, vous allez abîmer vos beaux pneus ouais, comme ça. Ah bah vous voyez, vous abîmez ouais, même le pare-choc. Je vais devoir faire demi-tour. Putain, il repeut encore quoi. Ouais, qu'est-ce que vous avez monsieur? Nom de Dieu, le concerto de klaxon, c'est pas bientôt fini? Nom de Dieu, encore, concerto de klaxon. Bon, messieurs, vous arrêtez le klaxon ou je vous arrête? Pour utilisage abusif du klaxon. Oh, c'est quoi ça? D'accord. Allez, arrêtez vos bêtises là, messieurs, là. J'ai la swag avec ma Chevrolet. Bon monsieur, vous arrêtez, nom de Dieu. Elle est trop swag. Nouvelle voiture, monsieur. Elle est trop swag. Ah ouais, je l'ai piqué. J'ai piqué la même voiture, mais je l'ai repas. Ah bon, c'est pas votre voiture? Ouais. Putain, c'était chaud. Vous aviez cru, hein? C'est jamais, monsieur. Garage, tire. Ah, si, moi j'ai entendu des bruits. Bon, vous direz à votre collègue d'arrêter parce que sinon je serais obligé de le mettre en état d'arrestation. T'as vu ce qu'il y a à droite? Eh, Nicolas, il t'arrête, connard. Oui, il y a le véhicule à l'Audi. Ah, bah le mec il s'est planté en fait. Il arrête tout de suite. Sont complètement tarés. Putain, le mec c'est... Ouais ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi il veut faire la course. Il y en a comme ça, ils sont motivés, mais moi je fais pas la course. 10-32 Yarik. Ouais. Enfin bon, c'est un petit schizophrène quoi. Putain. Oh merde, bien pris. Parti. Il est passé où? Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Ouais, c'est la goutte. Non, pas de transformation de pierre en fait en face de nous. Putain, t'as besoin de renfort, hein? Bah, je suis con, putain, on parle à la radio alors que je suis là. Putain, mais t'es où? Il est en off-road complet, on peut pas le prendre en fuite en chasse. Oh merde, mais t'es où toi? Nous on était, tu sais, au croisement de la route orange là, la route orange. On est au nord. Il partait vers Altitude. Ouais. Plus vers le stade. Plus vers le stade François de Pierre. C'est bizarre ça. C'est parce qu'il s'est là quoi, il s'est perdu. Ouais, de toute façon je vais pas me mettre à sa poursuite, c'est ça. Hein. Bon alors Carlos, plus chose d'information. Yarik, tu veux pas retourner vers le PT? Ouais, je sais, il m'a mis au courant Nico, mais... Donc il est venu me faire le RP pour me l'informer. Après, il voulait savoir si c'était quelqu'un de chez eux qui nous avait dit pour Airbin, tout ça, mais... J'ai dit qu'on n'avait pas d'information à lui dire sur ça, mais que c'était plus un truc... relationnel, qu'il avait pris des mesures... consulter les supérieurs, donc ça n'avait pas été accepté et donc moi ça fait un peu perpé comme quoi il avait contacté Yvan pour un pacte de non-agression sans nous informer que c'était pas autorisé quoi. Ouais c'est ça, donc, parce que lui il pensait que c'était quelqu'un de chez lui qui nous avait dit ça, mais non je lui ai dit que non, c'était juste nous on a pris les mesures en conséquence de ce qu'il a fait de son plein gré quoi. Ouais c'est ça. Donc maintenant il m'a dit qu'il est passé chef informateur dans sa famille, donc si on doit rencontrer quelqu'un ça doit être lui ou Antonio. Et que je lui ai demandé s'ils avaient toujours un tira comme QG, il m'a dit qu'il le gardait en attendant.
et je leur ai informé que par contre ils pourraient subir des attaques parce que nous on veut rendre la ville aux civils et pas la laisser aux mains de rebelles. Ouais, bah normal. Donc ils m'ont prévenu que nous aussi là-bas si on intervient on peut être hostile pour eux donc ils les éviteront pas à se défendre. Ouais, ouais, bah. Oh, c'est ouais. Quoi ça? Donc je lui ai bien fait comprendre que nous le but c'était de reprendre le contrôle de la ville et pas de la laisser à eux. Ouais, combien lui? Mais ils m'ont dit, salut Victor, tu vas bien? Ouais, mais ça se trouve, c'est pas parce que le cartel est fini qu'il y a plus de taupes quoi. Ouais, voilà. Il y en a forcément encore une. C'est obligé, il y en a encore une. Parce que sur les trois, il y en a une possible qui est partie. Il y en a un autre, à mon avis, s'est mis en gros stand-by parce qu'il a peur à son cul. Fermé, ouais. C'est ça, c'est ce que je disais avec ma marque. Donc, je pense qu'ils ont vu ce qui est arrivé à l'équipe. C'est ça, ils vont peut-être se calmer un peu. Devant nous. Ouais. Il est juste devant nous. Voilà, c'est il ça. Ah ouais, là-bas. Casse-toi. Alors attendez. 32 qui met Fumigène, premier. Ah là, et il y avait un braquage juste devant nous, il arrive aussi. Ça va tranquillou, Victor. S'il est les nouveaux véhicules, alors sinon. Ouais, ça va tranquille. Ouais, les nouveaux véhicules, il y en aura d'autres prochainement, mais ça va. Et merci. Chronos, merci à toi pour le follow, bienvenue sur la chaîne 2001. Attends, Carlos, parce que j'entends rien. Ok, moi je te dirai après. Ouais, parce que là. Et d'ailleurs, il y a l'autre Kono qui. Ouh! Non, il monte le cul là. Ouh! 10-32 Nord Cavala, direction DP11. Ah, ouais, mais le suivez pas plus loin, dites à la patrouille extérieure que justement, mais, vous êtes de Cavala quoi. Faut prendre des risques inutiles quoi, les poils suivent jusque DP11 parce que suffit qu'il y ait des mecs qui vous attendent là-bas, on va se faire baiser comme des lapins quoi. J'ai juste mis un pointeur sur la carte. Attends, je vais vite mettre le véhicule là. Ouais. Reste en observation. Oula, encore du quad. On a un 10-32 que j'ai signalé sur la carte sortie de Cavala direction DP11. Il est en stand-by, il bouge pas. Il repart. DP11 Ah putain. Alors la conduite, DP11. C'est normal, ça pleut, ça glisse. Garcia, monsieur, vous allez pas bien? J'ai glissé sur une petite banane en haut et puis je suis tombé. Ah ouais, bah c'est malin ça. Les mecs chelous, c'était un droit de tireur. Il est pas là, vous pouvez le mettre en arrière. Ouais, je sais, attends. Pensez de prendre de gang. Ah, ok. Il est où là, votre collègue au BRF? Ouais, pas de. On va les contrôler quand même. Un peu de respect. Qu'est-ce qu'il faisait là? Arrêtez-lui. Ah bah, monsieur. Vas-y, je vais contrôler le SUV, je te laisse sortir. Oui. Pour le quad. Encore et vous pas trop. Toujours pas pris les médicaments. C'est des remarques assez agaçantes, donc vous êtes suivi, voilà. D'accord. Bon ami. Ah bah vachement, monsieur. Putain de merde. Putain, je me tape de tes parasites. Allez, vous avez. Salut, Wiki. Pas mal, là. La famille Bon Sang, c'est quoi ça? C'est qui? Ah. Bon bah. Ça va tranquille, Victor. Le dieu du ciel m'a écouté, monsieur. J'ai appelé les médics, monsieur. Hein. Je vous remercie. Monsieur Béret Vert, monsieur l'officier. Oui. Monsieur, on fait ça là, une petite cour. Non, monsieur. Si vous voulez faire de la course, il y a un circuit de cartes à votre disposition, pardon, monsieur. Attends. Serveur, je sais pas c'est quoi, mais pour les ATM, vous savez, il y a un peu de retardement au niveau du cerveau, donc ils vont apparaître, mais il y a un petit délai.
Monsieur Carlos. Ouais, bonjour. Je voudrais dire aux personnes qui garent. Je préviens juste aux personnes qui garent au niveau de l'endroit où les véhicules. Où le garagiste les achète. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il faudrait qu'ils se bougent. Allez, pas sur l'individu. Les gens qui achètent des véhicules. On se remet ça là, on fait une petite cour. Non, monsieur. Mais avant, en fait, c'est le de j'ai combien de millions? J'ai 24. Non, mais c'est juste que... Non, monsieur. On a rien à leur dire, on a rien à leur dire. Non, monsieur. Je vais former tout le monde. Mais monsieur, en plus, moi, je me fais de la thune quand je fais ça, là. Ah bah oui, bah c'est bien. Ouais, mais moi, non. Ouais. Moi, je vais aller à la journée, je fais des gros. Il y a des cartes, monsieur. Vous allez sur le circuit de cartes, vous faites des courses avec votre copain, mais venez pas ennuyer les forces de l'ordre. Non, monsieur. J'ai la GoPro sur la caisse, s'il vous plaît. Ah, c'est chouette. Merci, là. Allez. Non. Allez. Oui. Allez, roule. Des gros gosses que j'ai pas de peur de fesses, j'ai pas de peur de fesses. Ah, ils arrivent, monsieur, ils ont une intervention avant la vôtre. Et monsieur, s'il vous plaît. Toi, tu m'échappes pas, toi. Toi, t'as pas de pseudo RP, ça va pas le faire. Il est là, hop, kick player. Non, en plus, non, RP, merci. Wow. Kick, voilà, hop, wow. T'as kické, toi aussi, Brian. Prénom. Parfait. Plus, non. RP, merci, j'ai pas fait de contrôle. Bon, désolé, Abdoul, je me suis trompé de. J'ai mal repositionné ma main sur le clavier. Ok, c'est bon. On vous laisse, vous voulez qu'on reste en soutien pour l'instant. Ah, c'est bon. Alors, les kicks ont été faits. Il y a un mec sur la place du Canada, on a entendu genre. De quoi? Ah, c'est ça que j'ai entendu discret, j'ai cru que c'était la télé ou une connerie comme ça encore. Ah, le mec s'est fait griller par sa mère. Énorme. Non, maman, j'ai rien fait, non. C'est pas moi. Putain. C'est ça que c'est les vacances, hein, putain. Ah bah ça va, le général roule sur l'or. Non, j'irai pas, Flo Custo. C'est pas mon but et c'est pas mon rôle. Je colonel Marie-Vandoff, intérieur. Non. Félicitations, vous n'étiez qu'avec moi pour les opérations. Ça marche, colonel. Non. Pas de... Et puis de toute façon, comme je disais tout à l'heure aux autres, là, vilains qui sont sur live, ça va changer, les armes de la gendarmerie vont changer. On va enlever ce pack là pour alléger un peu le serveur. On va alléger un peu tout ce qui est mode et tout ça, histoire de remettre une mission un peu plus clean. Le médecin arrive, hein. C'est un peu long, mais ça arrive. Pardon, monsieur ? Le médecin arrive, c'est un peu long, mais il arrive. Non, on va rester à côté de vous, on va pas vous laisser comme ça. Bon, monsieur, vous êtes prié d'arrêter, s'il vous plaît. Putain, nom de Dieu, Carlos, qu'est-ce qu'on va faire de ces individus là? Outrage à agent, ça va finir. Abus du klaxon. Ouais, là j'ai une petite amende de 7500 à leur donner là. Carlos, ouais. Viens m'aider là, les deux individus, on va les sortir de force de la voiture et on va les interpeller pour outrage à agent et trouble à l'ordre public. Et tiens, utilisation du klaxon abusif. Et là, Abdoul,
Messieurs. Vas-y. Ouais, je relance mon jeu là. Mais ça me prenait un temps fou de réparer le véhicule. Mon dieu, je crois que ça va pas marcher. Je sais pas comment vous avez fait parce que ma... Monsieur, vous restez là. Aller, vérifier dernier dispatch. Monsieur, vous sortez de votre voiture, nom de Dieu. Un dispensateur. Et on entend un dispensateur sur nous, ça mieux. C'est vous qui faites une muse à la mini-mi, là? Non. Vous bougez pas, là. Moi, j'ai entendu des tirs, là. On a 10-0 sur la position de milliard. Ouais, ouais, on va s'occuper de son poteau là. Il va l'embarquer dans la voiture. On va. Trajet agent, trouble à l'ordre public et utilisage abusif du klaxon. Je mets sa voiture en foire. Les gars, le 10-0, c'est quoi? C'est l'unité DPS. Agent à mort. Agent à terre, pardon. Non, mais c'est l'unité DPS. Je sais pas. C'est ça en fait, moi j'ai pas entendu. Si c'est l'unité DPS. Non, toi, Dieu. Salut, Sayan, tu vas bien? Nom de Dieu, Victor. Il aime peut-être les menottes, ton pote. Salut, Alex, tu vas bien? Ah là 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 là. Toc 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 toc. Ouais, de... Putain, cette pluie. De l'unité là, il me demande qu'on libère la personne qu'on a dans le véhicule. Comme tous les deux en fracture. Oh, mon PC est-il lent? Il est pas chaud. Il reste qui en gradé là chez vous encore là? Patrouille extérieure là. De sergent. Oui, lieutenant Baker. Eh bah Baker, tu gères un peu la situation là? Le vendeur d'armes. On y va en droit de chance. Affirmatif, le contact pris avec, oui. Avec les Romains. Ok, faites attention messieurs là, parce que ça fait deux fois en une soirée là, ça commence à faire trop. Et qui d'autre a fait sa fin de service juste après toi? Oula. Et pour si tu viens d'avoir une question là. En même temps, personne, je suis mort pour rien. Jeffrey t'a roulé à 20 mètres de moi et c'est comme s'il m'avait carqué. Ah ouais, putain, ce serait pas le premier alors. Bon frère. Allez, on va l'emmener comme ça. Bah ouais, c'est dommage, ouais, putain. Il est mort quoi? Et on s'est trouvé les trois en fracture. Tiens, bah regarde, Carlos, c'est quoi ça? Ouais, ouais, il est là, mais il est pas en bon. Hein. Ok, on ira mettre son véhicule après. Il avait une CP, il s'est lâché. Demande d'autorisation de relâcher la personne qu'on a dans le véhicule. Allez-y, si ça peut vous sauver la vie. Accordé. Ouais, monsieur. Demande l'autorisation. Négatif. Enfin, sinon il va mourir dans le téléphone. Hein. Autorisé. Lui, il y a sa mère, elle est rentrée, elle lui a dit, hey, des heures là. C'est énorme. Le coup de la mère qui t'est là. On comprend. On a été jeunes, nous aussi. Ouais, sans moi, oh. Cet individu de force de mon véhicule, estirpe-le de mon véhicule, nom de Dieu. Estirpe-moi ça. 2-10-32 sur place à DP11. Allez, on sort, monsieur. Oh, non, je suis pas breton, Wiki. Ouf. J'habite à Nantes, mais je suis pas breton. Ah ben Victor, malheureusement, il faut prendre des dispositions des fois, hein. On n'a pas le choix. Les mains dans le dos, ça va être un peu ça va tranquille, Alex. Vous trompez pas de touche, hein. Écrivez bien avec votre bonjour, c'est un ami. Ouais, alors l'individu, il est sur la place de Kiavala, on a dû le lâcher parce qu'on avait un autre individu à gérer. Bah, je suis mort. Ah merde, le midi qui meurt, on est mal barré. Il reste 3 c'est bon, minutes, 2 minutes. Waouh, waouh, waouh. Excuse-moi. Ok. Putain, ça fait chier. Bisclic. Donc, monsieur. Donc, dès que je peux, j'arrive. Ok, ça marche. Et où? Attendez. Bah, juste à côté de la place de Kiavala, dans un des accès que j'ai bloqué. D'accord, ok.
Il est là, il attend par terre. Ah, il faut le récupérer celui-là. Non, c'est moi, je vais l'occuper. J'ai oublié son nom au mec Carlos. Les deux discrans sont partis, hein. Donc quitter la zone. Ah, c'est Nicolas, Nicolas, je sais pas quoi là, putain. Mais attends. Ah oui, c'est le mec que j'ai raison. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Il a sauté sur ma voiture, tiens, il est là. Un bas délimineur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah oui, attends, il y a un mort. Envoyé en prison. Non, non, non. Merde. Ouais, ça. Bon, je redescends. Ça marche. Il a encore besoin de moi. Il y a des chutes, vous avez un plus de service. Par attendre d'affectation. C'est quoi, c'est toujours en intervention? Non. Donc, monsieur, je viens de voir là. Bon, bah, avant de partir, juste pour dire que. C'est faux, parce que. Si vous avez un peu de mémoire, je suis bien content de partir jusqu'au véhicule. Plus Paul Ramos et. Je vous ai dit que je vous mets dans. Ouais. D'accord. Donc on a attendu d'arriver ici pour vous dire. Bonne nuit à vous et bon courage à toi, voilà. Ça marche. Merci. Au revoir à toi, bonne nuit pour le coup. Est-ce qu'il s'en va normalement, on attendait non, bah c'est bon, on met ça. Pour ça avec vous. Quand tu t'en joues aussi. On vous a. Ce qu'on vous reproche, monsieur, c'est juste d'avoir abusé du klaxon, conduite dangereuse. Et trouble à l'ordre public. Et trouble à l'ordre public, monsieur. Voilà, c'est ça. C'est trois faits là qu'on vous a interpellé. Oh là 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 là. Donc, vous contentez ou vous niez, monsieur? Je sais pas, Flouflou, on va bien voir, tu sais, ils cherchent un peu depuis tout à l'heure, hein. On va pas leur courir après non plus. Hein. C'est outrage à Jean, Flocusto. Bonjour monsieur. Insulte sur les forces de l'ordre. Vous avez fait sur la place de Kavala et non lors du trajet. Ça marche, Victor. A plus, l'ami. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Bastien Signe, monsieur Bastien Signe. Tu parles dans le test. De toute façon, depuis tout à l'heure, vous cherchez, monsieur. Je parle dans les deux, c'est ce que j'ai vu, j'ai muté après. Ah, d'accord, bah c'est le moteur fait tellement de bruit, je t'entends pas. Ouais, monsieur, depuis tout à l'heure, vous cherchez. Un klaxonné avec votre ami là, qui est en fuite. Et monsieur, j'ai vérifié les papiers, donc vous êtes monsieur Sanderson Nicolai et Interpol m'informe que vous êtes également recherché pour... Comment ça, Flo? Oui, il s'appelle Nicolai Sanderson. On n'est pas censé savoir son nom, mais là, quand je suis pas en jeu... Normalement, on voit plus les noms, mais comme je suis modo, je vois les noms des gens pour voir qui que les vilains, quoi. Donc, oui, je me souviens pour la prison, mais pour les cambriolages, vous avez été pardonné ou ça a été Interpol en oubli? Donc, Interpol vous accuse à tort. C'est la première fois que j'entends ça, monsieur. Attendez, je vais passer le petit coup de téléphone au bureau, vérifier si c'est bien à jour et je vous dis ça, monsieur. Gilles, tu vas aller en patrouille extérieure compléter un peu là. Ils sont que 5, tu vas compléter la patrouille extérieure. Tu m'as fait sursauter. Voilà. Ça marche, vous regroupez. Vous regroupez, vous faites vos sacs et puis vous repartez. Monsieur. Là le mec là, Sanderson, il y avait quelqu'un qui l'a déjà arrêté avant pour Arrêter qui l'autre là?
Non, lui qu'on a là, parce qu'il est recherché à Interpol et il dit qu'il a déjà payé la prison et le cambriolage. Ah bah peut-être, si on me le dit pas, je peux pas quitter d'Interpol. Ouais, non, je sais, ouais, c'est ça, parce que sinon j'aurais excusé. Non, bah écoute, il y a eu une évasion de prison aussi, hein. Ouais, mais l'évasion, il nous avait envoyé des messages parce que il avait. Je crois que c'était parce qu'il avait fait son temps et il avait des échos et du coup. Ah oui, bon bah écoute, pour cette fois-ci ça valait, je l'ai excusé, donc tu tiens pas compte de ça, hein. C'est pas grave. Tu veux, Georgie, t'as un mec, un Salva et Mika. Interpol, donc, Salva, bah, erreur, c'est quoi, c'est tout attaché? Tout attaché, Salva et Mika. Donc on va pas retenir l'évasion de prison et le cambriolage. Non. Par contre, on va retenir la petite Jackson et... Non, j'ai pas de... ce machin, là. S-A-L-V-A-E-T-M-I-C-K. En général pas, oui. C'est du flagrant délit. Souci de cerveau, là, c'est déconnecté subitement. Oui. Et il vient de revenir, du coup, je voulais faire ma fin de service, mais bon, là, du coup, j'ai pas l'occasion, donc je le dis ici. D'accord, Ricardo. Voilà, donc vas-y, à plus pour tout le monde, bonne soirée. Ça marche, toi aussi. Bonne soirée. Bah putain de nom de Dieu, je l'ai pas le mec, hein. Donc monsieur Sanderson. C'est bizarre, il est en face de moi quand je vais chercher. J'ai juste procédé au calcul pour l'amende. J'ai Justin Bridou qui est tout attaché. Mais ouais. Mais monsieur... Oui, moi je l'ai entre Ashgal et Sergio Leone. Sur le J. Non mais moi je suis sur le Aircon, ouais, non le... Ah ça y est, je l'ai, putain, ça vient de se mettre. De BG, hein. Non mais moi non, sur l'Aircon c'est pas pareil. Ok, la liste est pas dans le même ordre. Non. Ok, c'est bon. Okay, c'est fait. Véhicule en foyer. Ouais, c'est ça, tu peux mettre ça en foyer tranquillou. Hein. Oh, c'est beaucoup plus rapide. Salut du quartier, tu vas bien, l'ami? Tu t'en sors, Carlos? Ouais, ouais. J'ai toujours un hyperkit. Allez, même la porte, elle met 3 plombes à s'ouvrir, quoi. Et où Abdoul? Abdoul, il est mort. Non, je suis dans le véhicule, vas-y. Ah oui, t'es à l'arrière, ok. Je mange un petit peu. Vas-y, t'inquiète. Et tu m'as fait sursauter, Jean-Gilles, quand t'as fait l'affectation de Gilles. Pourquoi? Parce que j'ai entendu Jules au début. Jules? Ouais, et c'est mon prénom, et je serais bien, mais pourquoi il m'appelait pas mon prénom? Eh hey Jules, maintenant je sais ton prénom. Mais tu le savais. Salut, ouais, ça va tranquillou, Ducardi. Bah non, justement, je savais pas. Donc, je vais faire le calcul. T'avais lu mes présentations. Ouais, mais généralement, les noms, je les zappe. Non, bah c'est ça, hein. Putain, merde, ouais. Merci, Wawan, tu viens de me sauver la vie. Merde, mauvaise touche. Je vais dire le tien. D'être courtois vis-à-vis des autres civils, parce que vous comprenez non. Que si tout le monde se met à klaxonner, ça va non. Être et toute personne ne va s'entendre. Quoi, l'orca qui traîne là au-dessus de Kavala? Peut-être le SAMU. Orca? Ouais, ils ont des orcas. LCPD, TAC 1, dispatch. En dessous, il pleut. Tableau de bord, il fait des trucs bizarres. C'est Sanderson. Donc, je vais vous présenter une amende de 10 500 euros. Attendez, restez ici. Oh, vous sortez du bureau. Hop, vous faites pas la malle, restez avec moi encore. Salva et Mika, il s'est reconnecté avec le même nom. Hein. Ah, il est sérieux là? Bah, je viens de voir en bas à gauche, player Salva et Mika connecté. Vous aurez juste à, avec vos doigts, à dire oui ou non, vous avez besoin de signer. Et un nouveau procédé. Alors, brigadier, on salue pas son général? Je l'ai fait, général, mais vous m'avez pas vu. Tout à l'heure, lorsque vous étiez à la porte. Voilà. Ah oui, vous, ça, bah maintenant je suis là.
Brigadier. Ok, t'as été payé, donc retenez bien ce que je vous ai dit, hein. À l'avenir, essayez de ne pas abuser d'une personne. Vous pouvez l'utiliser. C'est ça, abuse pas, nom de Dieu. Voilà. Putain, j'ai pas moins de mots. Attendez. Alors, du coup, il s'est recoulé l'autre avec le même nom. Tiens, l'autre là. Kickplayer, prénom pas RP, tu dégages. Il vient de se déconnecter, lui. Bonne journée à vous, monsieur Sanderson. Vous êtes libéré. Pour sortir, vous allez au niveau des barrières là, devant moi. Vous pourrez reprendre votre profil de vie. C'est normalement. Bon. Il n'y a plus de vilain sur nom RP. Vous pouvez baisser les mains, vous savez, les odeurs, c'est pas obligatoire. Oui. Vous n'avez pas de déo, c'est pas de map, ça. Pourquoi vous voulez qu'on vous tue? C'est ce qui reste intéressant. Ne vous inquiétez pas, on va l'attraper. Service pour lieutenant Baker. Bonne soirée à toi, Baker. Bonne soirée à tous. Tu l'avais vu partir par où Bah, tu fais attention. Bah ah, il est mort. Ah bah ouais. Oh, le gouac du mec, quoi. A mon avis, il a pas dû manger rien du tout. Et... Oh le guac! La course poursuite. Tu descends, hein, Carlos? Yes. T'es en train de manger parce que moi aussi j'aurais fait pareil. Sinon. Oh là 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 là, le pauvre individu quoi. Ah! Pardon monsieur! Problème de pile! mise en fourrure du véhicule. Elles viennent de Ratis, c'est une monsieur là. C'est pas du légal sur Ratis. Salut Stella, tu vas bien? Le mec sur le balcon. Bon, ça va tranquille. C'est ça, du quartier, une petite patrouille de poser tranquille, sans pression. Voilà. Là, ça va, oh bah tiens, le SAMU. Si vous voulez, monsieur, tu putain, il s'en fout un killer 3 points. Vous opérez, vous verrez que. Ça ira mieux, je pense. Le mec, je me suis dit qu'il était drogué, qu'il attendait juste ses paychecks. Hein. Carlos, préparez-vous à interpeller cet individu hein, pour délai de fuite et pareil. Outrage à agent. Abus du klaxon aussi, j'ai oublié. Pareil, pareil que monsieur. Très grand crime, abus du klaxon, c'est grave. Hein. C'est des délits comme des comme un autre. Attention, docteur, hein, il a une pile au cœur. Comme son ami là. Mettez pas à la pleine puissance. D'accord, d'accord. Bah, je vais faire doucement. Moi. Non, 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 je crois pas, monsieur. Vous descendez de là tout de suite. Récupérez ses affaires si vous avez envie, mais. Pas le véhicule, il va en fourrir. Bah, c'est même très long. Ouais, moi aussi, c'est très long. Vous arrivez à le refaire vivre, docteur. Je suis en train, j'ai des doucement. Tu n'as rien vu. Hein. Avec la pluie, hein, c'est un peu moins efficace. Il mourrait pour la deuxième fois. Ouais, mais non, mais là, pareil, le mec, il est arrivé tard et le quad, en fait, au moment où je commence à le pluie, il a commencé à faire une énorme. Il est pas dans le véhicule, monsieur. Un faire conduit. Putain, plus ça va, plus c'est long, hein. Oh, bah, y a un petit billet, par terre, attendez. Un petit billet, il y a 56 liasses, t'es sérieux? Bonne soirée, les vilains. Ah, bonne soirée, Becker. Bonne soirée à toi, Becker. Oh, j'ai gagné au loto. Voilà, je vais pouvoir arrêter ma femme à manger, là. Ah. Ah, c'est bien, ça, le temps. Bonjour, monsieur. Ah, je me réveille. Ça va mieux, monsieur? Ah oui. Ah, attention, monsieur, vous faites oh putain!
J'ai mal. Vous avez mal et bah pas moi. Ne vous inquiétez pas, vous avez... Le bon docteur là pour vous. Oh putain, fatigué. On me dit souvent, hein. J'ai vu la lumière du tunnel. Merci les médics. Oui, j'ai vu la lumière blanche. Allez, la lumière blanche, vous allez la voir dans le commissariat aussi, monsieur. Pourquoi vous escortez jusqu'au commissariat, monsieur, que on vous demande de vous arrêter. Du coup, il était trop froid. Avec elle, monsieur. Faut coopérer, monsieur. Attendez, je ramasse votre petite palette. Et monsieur, d'où vous me connaissez, monsieur? On se connaît pas. Je vois mon cuivre, je suis mort sur la route. Comme ça. Ah monsieur, je vous ai suivi tout à l'heure avec le tarot blanc. Non monsieur. Nom de Dieu, allez, mets-le là-dedans. J'ai tout vérifié et vous... Monsieur. Merci monsieur de faites erreur. Votre... Non putain, y'a l'autre qui monte, t'es sérieux. Fais pas par contre. Faites erreur, monsieur. Monsieur, vous ne me connaissez pas, vous faites erreur. Mais non, on fait erreur de rien du tout. Je suis bien le frère de l'individu, mais monsieur, je revenais de mon cuivre, d'où contestez-vous ce que j'ai par fait. Par contre, votre frère faudra... C'est une super calme qui va là dedans. De la barrière. Ouais. C'est pas possible de lui, moi, je pour lui pas, hein. D'être présent pendant votre... Putain, j'arrive mais, pas à le stationner. Monsieur, je n'ai rien fait. Allez, descends, Carlos. Moi je suis sûr, je bloque le véhicule. Salut Akiz, ça va? Overdose. Vous escortez jusqu'à l'intérieur parce que là ça commence à mouiller pas mal. Les bras de 32 non. cm. Tu parles de quoi? Ah putain, je suis plus rien là. Vous parlez de quoi les mecs? Sur les pneus, donc je vous reconnais, c'est bien vous qui avez pris la suite. Quelle sommation, et monsieur? Quelle sommation sur le véhicule blanc? J'étais là, je parie que je suis encore le chargeur à moitié baisé. Ce n'est pas possible, monsieur. Pourquoi? Pourquoi je l'ai arraché? Je vais me débarrasser du chargeur. J'ai bien un véhicule blanc, mais pourquoi vous voyez moi qu'un véhicule blanc dans cette. C'est quoi ça? Vous verrez avec pourquoi votre frère, j'ai dit que je vendu. Non, il ne peut pas me vendre. Ah, vous verrez ça avec lui, mais... Il a confirmé. Il n'a rien fait. Nom de Dieu, tu vas courir, espèce d'empoté. Visuel, plus votre frère confirme que c'est bien vous le deuxième homme. Donc, les liens sont les tiennes, donc vous ne pouvez plus refuser. Pour le dispatch. Allez-y, sautez, monsieur. Ça nous fera des vacances. Abdoul. Comment ça, monsieur? Abdoul, t'es là ou pas? Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous faites là? Je dis que je vous ai rien parce que je n'ai rien fait. Abdoul? Je vous entends mal, monsieur. Ah non, je suis là. Ouais, tu peux envoyer un message à Nicolas Sanderson en lui disant attendez monsieur, on peut négocier. Et lui demander si ah, ils vous ont cassé les jambes. On va le trouver, mais lui dire attendez monsieur, on négocie. On peut négocier. Vous qu'il attend, on va le prendre. Ah bah nous on est surchargé là ce soir, monsieur. Facile de quoi, un peu trop facile, monsieur. Ah bah non, vous allez bien. Ouais, c'est ça. Nicolas, il y a Y. Ah bah oui, vaut mieux, oui, parce que là... Et je vous conseille d'aller à l'hôpital, voir si vos jambes pourraient aller mieux. Je ne parle pas du cuif, monsieur, je parle du fait que votre véhicule a été... Merci, monsieur. Et faites attention à vos roues, hein. Allez pas les crever. Monsieur, mon véhicule est fermé à chaque fois que je sors. Au-dessus, il y a la gendarmerie. J'étais occupé. Ouais, ouais, il est sur le... Merde. Ouais, il est sur le toit de la gendarmerie, est-ce qu'on l'a? Mon véhicule m'appartient. Ok, on arrive. Possible. D'où vous accusez que le véhicule m'appartient? What? J'ai ramassé un truc par terre. What the fuck? C'est qui le con qui a lâché un truc par terre? Ce que je veux dire, c'est que... Mon nom a été... Vendu de cuivre, mon nom... Attendez. Mon nom n'a jamais été dit, et je ne l'ai jamais dit, car
je n'ai rien fait et j'étais loin, loin des cavaliers. Donc, vous m'en accusez, je voudrais savoir. Qui le con qui a lâché une lampe torche par terre? Bah, vous verrez ça avec votre frère, hein. La prochaine fois, vous verrez, avec de moi parler. Peut-être qu'il vous a fait, croire ça pour qu'il soit délivré. Allez, merde, c'est chiant en force là. C'était un délinquant. Mais votre frère a payé pour les faits qui m'ont été reprochés. Mon dieu, tu vas monter avec moi, pote Blake, comme toi t'as le taser. Parce que sinon, je lui mets une balle dans la jambe, donc ouais. Ça sera embêtant. Depuis que j'ai devenu comme une merde il y a 10 ans, cet homme me suit chaque jour pour notre père. Ne me tasez pas, j'ai un pacemaker. Non, non, mais on le tasse quand même. Tous les jours. Voilà pourquoi il vous a vendu, la mèche. Tiens, bah les monte en premier, écoute. Hein. Monsieur, voilà, voilà, il va être concentré sur la jambe en bas. Si, si, ouais. Oui, il saute. Oh merde, ce con là. Ah oh bah, il s'est pété les jambes. Non, le tasse pas, il s'est pété les jambes. Il est tombé? Ouais, il est tombé, l'échelle. Il pouvait pas faire un truc marrant, quoi, pour une fois. Ah, bah, j'aurais bien aimé qu'il saute. Bah oui, bah le décalage, bah oui, une grosse latence sur le terrain. J'ai sauté de la. J'ai cliqué pour faire sauter de l'échelle et ça lui a tiré dessus. Ah bah bravo, Bah allez, ramène-le en bas, pousse-toi. Ramène-le en bas et on va appeler les médics. Encore. Avec le véhicule blanc. Le monsieur, il n'y a pas que moi qui ai ce véhicule blanc. Cherchez dans tout le sud. Il y a ce véhicule blanc, pourquoi m'a-t-il dit ? Je suis d'accord, ça, monsieur, mais. Votre tête, personne n'a la même. Ah bah monsieur, pourquoi Oh, de Carlos, tu te trompes, il y en a plusieurs qui ont des sales gueules. Monsieur, cherchez. Ah merde, si j'appelle pas les médics, il risque pas d'arriver. Monsieur Nicolas, monsieur Nicolas, monsieur Nicolas, monsieur Nicolas. Pourquoi vous avez tenté de vous suicider, monsieur? Vous m'entendez, monsieur Nicolai? Vous vous êtes pété la mâchoire en tombant. Ah, je vous entends très difficilement. Hein. Que votre mâchoire a râpé sur les chaînes. Là, je pense, voilà, il s'est éclaté la tête en bas. Monsieur, j'ai reçu vos messages. J'étais un peu déçu, hein. Vouloir vous suicider pour une autre personne. Votre vie est si misérable que ça que vous n'y teniez pas. Oh le psychologue, vous avez une vie si misérable que ça. On va se reconvertir. Psychologue. Vous savez, hein, faut pas payer pour les erreurs des autres. Hein. Putain, ce nuage il va passer un jour parce que là il fait noir depuis tout à l'heure. Hein. Vous avez d'autres problèmes dans votre vie, monsieur? Vous avez été maltraité? D'accord. Monsieur, vous m'entendez? Non, il écrit dans le chat, Abdoul. Debout, mais ton cas, ça va être pris en compte, alors. Ah non, monsieur, vous n'êtes pas bugué. Monsieur, vous vous êtes cassé la jambe en montant une échelle. C'est normal. Ça va, il s'est pété. Je vois que vous êtes un homme... Ah, je crois que monsieur a des petits soucis. En plus, il commence à s'énerver. Ah, bah la violence ne mène à rien, monsieur. Le médecin va venir vous donner vos médicaments, il vous dirait mieux. Ah oui, monsieur. Vous ne connaissez pas Sanderson Airline? Non, je ne connais pas ça. C'est au-dessus d'un groupe privé. Oh putain! On a appelé en marchandises d'avion, hélicoptère. Ouais, Comico Cavala, il y a un individu qui s'est cassé la gueule de l'échelle. Il voulait se suicider à la base, mais en, en descendant, il s'est cassé la gueule. Vous avez autant d'argent, pourquoi vous travaillez alors? Le désespoir du mec sur le chat, quoi. Bah, c'est lui, ouais, parce qu'il parle plus, parce que ses parents ils dorment. Alors. Pour le coup, ah, il est comme un. Pour qui il est pas en oui, là, c'est lui. Bon, attendez. Là, on. Eh oh, on se calme, on se calme. Hein. Sinon, au lit. Hein.
Mais... C'est ça, au lit sinon. Putain. Ce que j'ai à dire, c'est que vous trompez sur la personne et si par hasard mon frère vous a dit que c'était moi, je tape une queue le médecin, je pisse le sang. Il me harcèle. Ah bah attends, je vais mettre mon bandage. Mais non, il pisse pas le sang, on prend le pouls, regarde. Je vous ai demandé, je vous mets un petit bandage. Bon, attendez. Et effectivement, le médecin a des droits, tu feras des petits plaisirs personnels. Putain, vérifier les constantes là, 3 plombes. C'est en cours. C'est long ça, c'est long. C'est, long. Non, c'est ça. Il va te... il va te... Un ballon il saigne pas. J'en connais un qui s'est fait manger la barrière. Non, c'était bon, faut regarder, j'avance encore. Cal Drogo, quand t'arrives, dis-lui, désolé monsieur, je suis en train de me taper une queue. Parce qu'il nous a dit, putain, il est en train de se taper une queue ou quoi. Pourquoi il a dit ça? Parce que t'as mis 3 plombes à arriver, bah. Dis-lui vraiment, genre, désolé d'être du retard, je suis en train de me taper une queue. Ce sera drôle. Monsieur, excusez-moi, je suis en train de me taper une queue. Il a un petit bobo à la jambe là, il s'est pété un os. Donc le temps que le médecin vous soigne, j'ai une petite question. L'individu qui a mon auto actuellement, vous confirmez que c'est bien la personne qu'on a poursuivi. Arrêtez de vous branler. Bah là... Monsieur le médecin... Bah là, on a un spécimen quand même. Je m'occupe de vous. Nico, me soigner, je souffre. Il est pas plus tard. On va vous mettre le. Oh, enfin bon, il souffre, il l'a cherché, hein. Docteur, mettez-lui le suppo, ça va le soulager. Voilà. Attention, voici le gant. Putain, il pleut que 2 heures par jour dans. Sur le serveur, mais nom de Dieu, les 2 heures, si on les a d'affilée, ça va être long. Non monsieur, ce n'est pas un violeur, c'est juste un acte médical. Oui, un violeur. Oui, je fais des tours là. Pourquoi est-ce qu'on prend de mal? Oh la toupie. C'est une danseuse étoile. Ça fait du coup qui a fait effet. Monsieur, ça, je vous avec cet individu. Ça marche. Si vous voulez lui faire un petit lavement anal ou un toucher rectal, vous pouvez. Ah non, moi je fais pas ça. Ah, vous faites pas, je sais que Jerry, votre collègue, il adore ça. Ouais, Jerry, il aime bien. Docteur, je pense que ce monsieur a besoin de faire un petit peu d'aromathérapie. C'est gentil, hein. Ça. Mais la musicothérapie, il est un petit peu agité dans sa tête. Hein. Bah, nom de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec le véhicule, toi? Oh! C'est pas le nôtre, c'est pas le nôtre. Hop là, hop. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon monsieur, je pense qu'on va vous laisser un petit peu ici, hein, temps de... Mais normal, ils sont venus... Ouais, mais c'est sûr, défaut, c'est pas d'avoir fermé. Mais le problème, c'est qu'ils sont moitié amphibies, alors. Je pense que la pluie, en plus, ça doit vous faire du bien, hein. Ça rafraîchit. Bon, allez, là... Bon, alors, Carlos, tu fais quoi avec son pote, là? Monsieur, on va vous présenter l'individu, que vous allez nous dire exactement ce que vous savez, parce que... Non, il passait la nuit, hein. Non. Je suis un bug, je suis action cancel à 99%. Oh, le mec. Oh, non, laisse. Ah, bah, ben, ils sont à 2 à réparer. Putain de merde, retourne Windows. Et tu continues, donc, je te mets une balle. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est devant vous? Je suis un fou, je continue. On fout, je suis à 50%. Quand tu es au 8, moi je suis à 15. On a commencé en même temps. Non, mais c'est bon, je veux pas. C'est bon. Rien. Vas-y, casse-toi. Petit tour vite fait là. Sur le. Non, si, il est sur le côté. J'aime pas beaucoup ça quand j'appuie sur. On va voir la map, ça me met private Sébastien Yarrick. Private quoi? Private Sébastien Yarrick. Genre seconde classe. Donc c'est bon. Allez, fais-moi le moteur. Vous avez répondu à ma question? C'est long, c'est long. Games of Thrones, quand Khal Drogo est mort, bah j'en ai eu marre. Mais le mec qu'on a chopé dans lui, je crois que c'est pas le bon. Si. C'était qui m'a réparé mon véhicule déjà? Yarrick. C'est son frère Sanderson. Yarrick, regarde ton niveau de. Il m'a sorti un truc bien fait, ça passe. Oh, bah ça passe, mais il est pas mort. Eh, une plus de, une en plus, et tu tombes dans le coma. Ouais, bon, écoute, tu gères, lieutenant. On va pas y passer 3 heures, moi j'ai envie de rouler moi. Bon,
faire reboot dans 5 minutes. Bah c'est pour ça, c'est chiant. J'aimerais bien sortir un peu de... Histoire de mourir en roulant. Pas mourir de patience. Vous me prêtez un, je sais pas, un enforceur ou tout. Je conduis, je fais genre je suis à la police, à la police. Non. 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 Bah, c'est qui est monté dans ma tueur là? Ah, ça faisait longtemps. Bon bah allez viens, on part en patrouille tous les deux. Abdul, tu restes à Carlos pour le moment. Punition. Punition. C'est pas gentil. Oula, n'importe quoi. Ça y est, il pleut, ça glisse, hein. Les médics savent plus rouler. Alors ça va être quoi quand ça va neiger quoi? Wow. Non, nom de Dieu! Va conduire là, priorité à droite, hein, vous faites quoi là? Priorité de rien du tout, priorité de rien du tout! Il y avait pas... Si, si, priorité putain! Ah putain, je vais mourir! Bande-toi, Sébastien! Moi j'ai rien, j'ai 0 blessure, putain, moi j'avais 36 de blessure, j'ai pratiquement perdu tout mon sang! Oh putain! Ah bah bravo! Mets-toi un peu de morphine, Jean-Jacques. Non, c'est bon, j'en ai pas. Et j'en ai pas besoin. Moi, on a craché. Ah merde, ah bah bravo. Tiens, punition. Allez, punition. Punition pour avoir dégommé. Et l'autre, il a pas de pare-buff, mais il fait mal, quoi. Nom de Dieu. Je suis ici. Salut à toi, Théo, ça va? Et c'est parce que le Samu vient de faire bélier dans notre vie. Ah bah super. Mon beau 4x4 Non mais faut le réparer, il a les pneus latéraux à niquer. Ah oui mais j'ai plus de répar kit pour ça. Moi j'en ai un. Ça va être long quoi. Priorité à droite. Il reste 2 minutes, c'est cool. J'ai toujours sur mon truc priorité à droite. Hein. Ouais, moi aussi. Enfin, attends, excuse-moi mais il y a le cas aussi, le général prioritaire, tout court. Voilà. À gauche, à droite, à ce que non, tu non. veux. Non, t'avais pas les sirènes. Bah on allait les avoir, on allait partir là sur un dispatch de la mort qui tue et à 3 minutes du reboot, ouais. C'est ça, sur une prise d'otage, on allait partir. Ouais. Non mais tu vois la priorité je l'ai, sincèrement. Mais sincèrement on est d'accord, t'étais en train de faire le contre des maisons. Oui. Donc c'était fautif. Non mais les stops encore je veux bien mais là les priorités sincèrement putain il y a tellement d'intersections dans le jeu qu'on va pas s'arrêter à toutes les intersections. ça peut être toi ainsi que moi, hein, ça peut être tout le monde, hein. Non, c'est pas... Attends je vais dire à Tib, Dylan, cache-toi. Ouais la priorité elle existe pas, la priorité sert à... Je suis sur le serveur Cop Gameplay. Mais Guillaume qu'est-ce que tu fais là? Non, ça arrête pas, ça. J'arrête pas en ce moment. J'arrête pas. Puis bon, ça rentre dans le personnage. Bon, ça y est, y'a pas d'individu là, parce que au prochain qui fait le bélier sur mon véhicule, je meurs. De toute façon, ça va, j'ai le port de. Et j'ai pas le but d'activer donc. C'est le conjoint, on peut jouer. Ça marche, calme. Non, moi je prends la route, merde, j'aurais failli aller dormir. Je prends la route à 6h du mat. Putain, un mec traverse comme ça quoi. Ouais, c'est vrai, il y a l'individu dans son fauteuil roulant. Ah bah merde, ça y est. Dans son fauteuil roulant? Ouais. Ouais. C'est Yami qui a sorti un fauteuil roulant. Reboot! C'est ça. T'as mine de rien, ça glisse avec l'eau. Wow. Ouais, fin de service, tu vas aller dormir parce que demain il prend. Ouais, tu as un message, j'ai eu un message derrière Mendo, je crois bien. What you got? De quoi? What you got? C'est une chanson que j'ai dans la tête. Ah ouais, depuis tout à l'heure tu l'as dans la tête et ça bouge pas. Oh, ça va voir. Ça veut pas? C'est comme bloqué dans une faille intersidérale. D'accord. Non mais t'inquiète pas, je t'en veux pas hein. T'as bisous hein.
C'est ça, la promotion qui te monte à la tête et... Enfin, même Guillaume, il se fout de ta gueule, quoi. Regarde. Bon, attendez, je vois. What? 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 Bon. Bon, les vilains. Hop, 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 ça va être la fin du live parce que demain, password. Ah oui, c'est vrai, ouais, putain, on a changé de passe, passe sur le. Sur le Aircon. Donc, les vilains, moi je vais vous laisser. Demain, levé 5h30, putain. Pas envie d'aller travailler, mais j'ai pas le choix. Donc, pour le coup, donc comme je disais tout à l'heure, les lives, ça va être sûr le dimanche. Enfin, sûr, après, ça dépend vraiment si le serveur va bien ou. Ça dépend si je suis présent ou pas, mais un le dimanche, et puis j'aimerais bien en mettre un autre dans la semaine, soit le vendredi soir, ou soit le mercredi, c'est à voir en fonction du taf. Et content que là, milieu novembre et décembre, je travaille pas, parce que j'ai pas envie. Pour le coup, je serai plus disponible, et puis avec les nouveaux jeux qui sortiront, faire une petite pause d'Arma, et puis aller comme des fifous sur les nouveaux jeux, quoi. Donc sur ce, les vilains, je vous souhaite une bonne nuit, merci d'avoir regardé, et puis merci pour les follow, merci à Théo. Pour le follow, bienvenue sur la chaîne de Vilain. Je vous souhaite une bonne nuit à tous et puis à très vite.